Une petite vidéo sur les outils de LibreOffice Writer pour mettre en forme un dossier dans le traitement de texte. Plusieurs outils disponibles. Le premier que je voudrais vous présenter, il s'appelle Numérotation des chapitres. Donc dans Outils Numérotation des chapitres, vous retrouvez une console qui vous permet de gérer niveau par niveau jusqu'à 10 niveaux de votre plan. Il utilise par défaut les titres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous conseille de garder ce paramètre-là. La numérotation, donc moi je mets 1, 2, 3, avec un petit tiret derrière, pour terminer la numérotation. Ensuite je vais au niveau 2 de mon plan, même chose, titre 2, 1, 2, 3. Je peux gérer combien de niveaux s'affichent, 1 ou 2. Si je mets 2, ça va faire 1.1, et un petit tiret derrière. Et je termine le travail avec le niveau 3 de mon plan, 1, 2, 3, 3 niveaux affichés, et un tiret derrière. Je fais OK. Voilà pour la numérotation. Ensuite, je vais aller chercher les styles de paragraphe. Donc ça va aller se situer dans format, style et formatage. Et je vais aller chercher les titres dont j'ai besoin. Donc c'est un petit peu plus bas ici, titres. Je retrouve bien les titres 1, 2, 3 que je vais avoir besoin, et puis un tas d'autres hein, qui peuvent m'être utiles, comme par exemple pour mettre en forme le titre du dossier, ou l'introduction et la conclusion si je ne veux pas qu'elles soient numérotées. Donc là, je vais chercher par exemple sous-titres. Il est là. Ensuite, je choisis mes chapitres. Par exemple, qu'est-ce qu'une carte mère? C'est le premier chapitre, donc titre 1. Comment fixe-t-on une carte mère un petit peu plus bas? Ça, c'est mon deuxième chapitre. Donc pareil, titre 1. Voilà. Les composants de la carte mère, ça c'est le troisième chapitre, donc je recommence, et ainsi de suite pour les six chapitres de mon dossier. Ensuite, je peux faire les sous-chapitres. Par exemple ici, les composants supportés par la carte mère, c'est un sous-chapitre de la partie 3, donc c'est bien le 3.1. À quoi servent les composants? C'est le 3.2, donc titre 2. Et le microprocesseur, c'est le 3.2.1, c'est-à-dire le premier sous-sous-chapitre de mon dossier. Une fois que ça c'est fait, je peux mettre en forme chacun de ces titres en éditant le style de paragraphe. Donc ça c'est bouton droit, éditer le style de paragraphe. Par exemple ici pour les sous-titres, je peux lui demander d'aligner à gauche. Je peux lui demander pourquoi pas turquoise. Et puis je peux éventuellement aussi changer la police. Par exemple ici je vais demander du gras et de l'italie. Quand je fais OK, ça valide. Et vous voyez le résultat sur la page. Je fais pareil pour mon titre 1. Donc clic droit. Éditer le style de paragraphe. Ensuite, par exemple, je vais demander du 16 points, donc je tape 16 PT dans la taille. Je vais aller aussi, par exemple, changer la couleur, donc ça c'est dans effet de caractère, je vais demander du bleu. Si je fais appliquer, il applique et le menu reste ouvert. Si je fais OK, il applique et il ferme le menu. Il me reste à gérer les pages. Donc là, la carte mère, la première page de mon dossier, je vais faire bouton droit, et je vais chercher première page. Donc je change le style de la première page. Et ensuite, je vais faire un saut de page, insertion saut manuel, saut de page, et puis je vais choisir le style par défaut ou le style standard, par exemple. Je coche modifier le numéro de page à 1. Donc j'ai bien une première page avec le titre et une deuxième où commence mon dossier qui va porter le numéro 1. Alors pour vérifier ça, je vais insérer un pied de page, insertion pied de page standard, style par défaut, et puis je vais taper page, et puis je vais chercher le numéro, insertion, champ, numéro de page. Vous voyez que c'est bien la page 1, malgré le fait que ça soit la deuxième de mon dossier. En tout, j'ai 5 pages, donc je tape 5 à la suite, et puis je mets ça en forme, alors par exemple centré, ensuite, alors je peux réexploiter les styles de paragraphe pour créer mon sommaire automatique. Donc je me place dans la première page et je lance le menu insertion, index et table, index et table. Je vais aller décocher la case protéger contre toute modification manuelle et puis je vais lui dire que mon plan comporte 3 niveaux. J'ai plus qu'à faire OK. J'obtiens bien un sommaire avec les numéros de page en bout de ligne. Il y a aussi le navigateur. Donc la petite rose des vents, ou alors la touche F5 de mon clavier. Là, si je clique sur 3.2.1, je vais aller directement
à la partie du dossier qui correspond. Donc c'est très pratique pour se déplacer. Et puis je peux aussi déplacer un chapitre dans le dossier. Par exemple, le chapitre 3.2.2, le chipset, je vais le faire passer en 3.2.1. Vous voyez, j'ai juste appuyé sur l'icône OC d'un chapitre dans mon navigateur. Alors évidemment, là, il faut modifier l'index. Je fais un petit clic droit, actualiser l'index, pour qu'il prenne en compte mon changement de numérotation.